Eh bien, je vous emmène. Voilà, je vous emmène à Emmaüs. Je vous avais promis, je ferai une petite vidéo. Je vais peut-être en faire souvent des petites vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu si je trouve des choses, parce que grâce à vous, j'ai trouvé un tableau. Et en fait, eh ben, je vais voir et puis pourquoi pas? Pourquoi pas revendre? Bah oui, si je paye 3 euros, pourquoi pas le revendre? Ça dépend, on va voir ce qu'il y a. Des fois des petites fringues sympas, on va regarder. Voilà, je vous emmène avec moi. Je vous montre comment je suis habillée. Voilà, comme ceci. Et puis j'ai une petite boucle d'oreille de love. Voilà. Et j'ai mon masque. Comme si c'était un bracelet. Voilà, j'ai le masque. Et j'ai mon petit bracelet qui sont des pierres. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des pierres de mon signe et de mon ascendant. Voilà, c'est du lapis-lazuli, rhodolite, je crois, je ne me rappelle plus. Et puis, non, c'est cornaline, pardon. Et puis, cristal de roche. Là, c'est mes pierres par rapport à mon ascendant. Allez, on y va. Je vous montre. Voilà, on arrive. Emmaüs Liberté. Voilà. Et je vais vous montrer. Eh, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Non, c'est ouvert. L'entrée, elle est là. Voilà. Alors. Bon, on va regarder s'il y a des nouveautés. Du coup, ce que je vais faire, je vais tourner la caméra. Je vais tourner la caméra, vous allez plus me voir. Et vous allez voir les choses qu'il y a à Emmaüs, ok? Allez, je tourne. Voilà, on rentre. Hein. Alors, vous l'avez pierre, bien sûr. Voilà. Le 21 mai, il va y avoir la mercerie. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Regardez, ça doit être les trucs, la préparation. C'est pour les jouets, je crois. Alors, waouh, regardez, celle-là, je la trouve trop jolie. Regardez. Elle est sympa, hein? Malheureusement, la viscose, j'aime pas trop. La viscose, c'est pas trop mon truc. Je porte pas parce que je préfère du coton. Mais franchement, elle est jolie, hein? Alors, il y a toujours des nouveautés tous les jours, hein. Celle-ci aussi est très belle. Ça, pour l'hiver, c'est original. Regardez. Pour l'hiver, trop mode. Franchement, elle est jolie. Hein, regardez. Est-ce que je mettrais ça? J'ai l'impression que c'est trop grand. Là, vous avez les vestes. Bon, les sacs à main, c'est pas terrible. Hein. Par contre, vous avez celui-là là-haut, il est super. Tiens, Angleterre. Il est tout neuf. Et franchement, il est super bien. Moi, j'aime bien. Hein. Bon, je vais le garder dans la main. Et non, mais ça, si c'est pas ma destinée, ça, je le prends sans problème. C'est... Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais un problème avec ma robe? Que Ivy m'avait cassé la bretelle. Bah, c'est le même style de robe. Et c'est combien? C'est du quoi? Ah, je vais la prendre. Franchement, j'adore. Allez, hop. Alors, là, je vous montre. On a un beau camaïeu quand même, hein. Vous voyez, il faut venir tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose. Hein. Tous les jours, vous avez des arrivages. Tous les jours, il y a des nouveautés. Ça, c'est super joli. Mais je ne m'habille plus comme ça. Mais regardez ça. Si c'est pas chic. C'est super chic. Non, mais ça vient de Shane. Mais c'est pas ma taille. Mais il est beau, hein. Vous voyez, on trouve des belles pépites, hein. Regardez ça. Mais moi, ça sera trop petit pour moi, mais c'est joli. Alors,
Pardon. Alors, tiens, il y a un truc rose et blanc là. Damar. Je pense aussi à mon ami. Celui-là, j'aime bien. Ouais, c'est pas ma taille. Mais regardez. Il est trop beau. H&M. Je vais regarder la taille. 34. Mais il est beau, hein. Alors là, je vous montre. On fait le tour, hein, on a dit. Hein. Je vous ai dit, moi, ça, c'est tout petit. Hein. Ça, je l'ai vu hier, déjà. Il faut avoir le coup de foudre, hein. Franchement, si on n'a pas le coup de foudre... Bon, bah là, on s'en va. Alors, je filme par terre pour ne pas filmer les gens, d'accord ? Mais en fait, je voulais regarder pour elle, mais je connais pas ses goûts, alors... Alors là, on va aller plus loin. C'est une sac. Alors, on y va. Pardon. Là, on a des tissus. Il est beau celui-là. Voilà. Là, on a des serviettes de table. Rigolote celle-là, regardez. Enfin, c'est même pas une serviette, hein. Je vous montre tout, hein, d'accord ? Des draps de lit, des rideaux. Ah, ils sont plus les rideaux verts. Ils étaient beaux, les rideaux verts. Hein. Je vous dis, il y en a tous les jours des trucs. Hein. Des manteaux, de la broderie, la caisse pour payer. Elle est là, la caisse. Bonjour ! Je voudrais savoir combien est le sac, s'il vous plaît. Combien ? 5 euros. Et ça ? 2 euros. Ah, 2 euros. Ça fait 7 ? Oh oui, non. Bon, ben merci. Bon, je ne sais pas si je vais prendre. Hein ? Non, je réfléchis parce que je vais partir de l'autre côté. Donc, je viendrai payer. Je vais réfléchir. Je vais dans... Ou tu me le gardes, mais tu ne le vends pas ? Ça, franchement. Si quelqu'un de trouver. Non, alors je le garde. Je le prends. Donne-moi un ticket. Moi, je vais prendre un. Hein, parce que après, il n'y en aura plus. Et il est trop beau. Hein. Regardez comment il est beau. Là, maintenant, on va ici. Tiens, on continue dans. Regardez. Mais je n'ai pas de place, moi. Alors. Bon, il n'y a pas grand-chose. Oh, la malle, elle est magnifique, la cantine. Les tableaux. Est-ce qu'il y a le tableau que je voulais hier ? Il n'y est plus, déjà. Tout est parti. C'est un truc de fou. Ah non, il est là. Regardez. Il est coloré, hein ? Je trouve super. Bon, c'est pas une toile. Hein. C'est un truc. Enfin, c'est de la merde. Quoi. Ouais, donc je peux le faire moi-même. Hein, avec un bout de tissu. Celui-là, il est beau aussi. Petit chien, regardez, il est trop mignon. Ça, c'est une jolie scène, ça. Celui-là, il est beau aussi.
Donc, ben, franchement, il y a beaucoup de bordel. Hein. Alors, c'est là hier que j'ai trouvé une belle assiette. Oh, j'adore. Regardez ça. C'est adorable. Décidément, moi, je suis beaucoup dans le truc anglais. Il est adorable. Bon, il y a beaucoup de bordel. Attendez, hein. Regardez ça. Ça, aujourd'hui, c'est production. Bon, attendez, je vais demander. C'est 1999. C'est combien? 1999. Encore? Mais hier, déjà, c'était 1999. Hein. Continue. Tous les jours, il fait 1999. J'ai envie de le prendre aussi. Combien, chef? Pas cher, hein. Avec quoi? C'est tout? Ouais. Que ça. C'est tout? Bah ouais, je suis venue hier, déjà. Merci mon chef. Merci. Alors, 50 centimes. Tiens, on va aller où je vais jamais, au livre. Je vais jamais au livre. Jamais, jamais. Peut-être on peut trouver quelque chose. Hein. On va regarder. Hein. C'est énorme, hein, de tous les livres. Il y a les cartes postales, là. Là, voilà tous les livres. Dictionnaire. Livres anciens. J'en ai, moi, des livres anciens. Il n'y a pas le mien, mais j'en ai. Théâtre. Vous voyez, c'est rangé vraiment par... Voilà. C'est rigolo pour faire une chambre. Là, vous avez, oh mon Dieu, vous avez un micro-ondes, 30 euros, des vélos, des claviers, alors là, des claviers, il y en a plein, des magnétoscopes, pardon, des écrans, c'est pas là que j'achèterai, hein, je vous le dis, des radiateurs, combien le radiateur? 25 euros. Et vous pouvez être sûr, un ventilo 10 euros. Et vous pouvez être sûr que ça marche, hein, parce qu'ils ont testé. Hein. Bon, bah, tondeuse à gazon. Attendez, je suis bête. Pardon. Alors, hop, je mets en bas pour ne pas filmer. Voilà, et hop, là je filme. Là, vous avez un frigo 90 euros. Une machine. Et là, vous avez les jouets. Une vente spéciale le samedi 14 mai. Voilà. Une Barbie, c'est 2 euros. Voilà les tarifs. Monopoly Junior, 3 euros. Voilà, tous les jouets. Voilà. Je ne sais même pas qui c'est, elle. Tous les jouets. Le jeu du dictionnaire. Voilà, c'est des trucs pas chers du tout, hein, vraiment. Petite cuisine, comme elle est jolie. Regardez ça, c'est trop marrant. Bon, et là. Table allongée. Elle est partie. Ensuite, vous avez... Oh, ça, c'est vieux. Ça date de Mathusalem, ça. Oh, mon Dieu. Yannick, il avait ça. Et là, on va... Vous voyez, il y a des choses qui viennent d'arriver, regardez. Il y a des trucs qui arrivent, là.
les belles tables. Je pense que c'est les tables de bureau. Là, vous avez ça, c'est magnifique. Mais il faut avoir la... Mais c'est magnifique. Regardez ça. 300 euros. Elle est chère, par contre, 300 euros. Bon. Là, c'est abusé, hein. C'est pas les prix normaux, hein. Je vous le dis, normaux, pardon. C'est pas les bons prix, hein. Normalement, c'est beaucoup moins cher que ça, hein. Là, vous avez ce petit meuble. Là, vous avez des meubles. Ah, là, vous avez plein de sommiers qui sont arrivés. Regardez, ils sont tout neufs. Ils viennent d'arriver tous. Le souci, c'est que moi, j'ai pas même. Regardez, il y a même de quoi rechanger. Le souci, c'est que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste ça. Je veux pas les pieds. Voilà. Et comme d'habitude, il y en a, hein. Voilà, ce que je veux, c'est ça. Mais pour deux personnes, hyper table. Et regardez, il y en a plein. Hein. Là, vous avez carrément une mezzanine. Voilà. Un lit de bébé. Je vais être coincée parce qu'ils arrivent. Attendez. Ah ben non, c'est vendu, ça repart. Alors, ensuite, il n'y a pas grand-chose. Je vous montre. Il y a ça, un petit meuble. Ça, c'est une table. Apparemment, c'est une table, ça, pliante. Bah, 10 euros, mais c'est tellement vieux, cassé. Voilà. Là, 30 euros, ça. Le petit meuble, avec l'étagère qui souffle plus. Voilà. Ça, c'est en marbre. Bon, bah, franchement, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, c'est un peu nul. À part ça, pour ranger les papiers, il y en a plein. 15 euros. Par contre, ça, c'est pas cher. Hein. 15 euros et vous rangez tous vos papiers dedans. Regardez, ça prend pas de place. Franchement, c'est pas cher. Il y en a plein. Hein. Et ça, c'est les trucs de bureau. Vous mettez tous vos papiers dedans, vous êtes tranquille. Hein. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose. Là, vous avez les cravates. Et là, vous avez les bijoux, mais les bijoux, c'est fermé. Là, c'est fermé. Bon. Allez, je vais prendre. Là, vous avez les jolis foulards. Regardez. Il est joli, hein? Bon, ben, voilà. Je vais aller payer. Ouais, il est trop beau quand même. Je vais le prendre. Il m'attendait. Donc je vais payer. Eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc à Emmaüs, j'ai pris ce petit panier. Regardez, il est rempli. Hein. Je l'ai payé 5 euros. Il est vraiment magnifique. Mais vraiment, il est très beau. Mais le panier, il est tout neuf, hein, je vous le dis. Hein. Après, j'ai acheté. Alors, c'est incroyable parce que j'ai la robe comme ça. J'ai pas intérêt. Il faut que je la lave. Hein. Ça doit être H&M, je l'avais acheté à H&M. Non, pas du tout, c'est pas H&M. Mais regardez, un petit pyjama, 2 euros, franchement. Et en fait, c'est une culotte, 2 euros. Ça vaut même pas le coup de s'en passer, quoi. Donc, il faut bien que je la lave, je vais la mettre à la machine, là, tout de suite. Là, c'est la même chose que ma robe. Franchement, le dessin a fait que j'adore ma robe noire et citron. Et là, j'ai trouvé exactement la même chose, la même, un truc de fou. Donc, du coup, ben, je l'ai pris. Et pour 2 euros,
J'ai trouvé ça, 50 centimes. J'ai trouvé ça, mais alors, trop mignon. Mais par contre, voyez, je vais le nettoyer avec du sanitol. Voilà, pas du synthol, hein, du sanitol. Voilà, comme ça, je lui enlève tout souvenir. Il n'a plus de souvenirs. Hop. C'est comme ça que je fais, moi. Je désinfecte. Et je passe à la vapeur. Le panier, je le passe à la vapeur, mais je l'ai déjà bien désinfecté. Puis en plus, moi, ça y est, hein, je me le suis approprié. Hein. Ah, c'est quoi ? Coffee beer. Regardez. Regardez si c'est pas beau. Il est trop mignon. Quand j'ai vu ça et qu'il me l'a fait à 50 centimes, j'ai dit waouh. Et j'ai pris un petit jeu, 2 euros. Il était tout neuf, hein, c'est moi qui l'ai déballé. Hein. C'est pas un jeu en fait, c'est un petit truc sympa. Un petit coffret pour 2 euros. Hein. Je sais pas combien ça coûtait réellement en fait. 12 euros. C'est de chez Marabout. Et il était vraiment emballé. Hein. Et là, vous avez le petit livre et vous avez toutes les petites cartes. Et j'ai trouvé ça avec les enveloppes. J'ai trouvé ça très sympa. Je vais l'ouvrir hein, parce que c'est fait pour ça. Vous voyez, regardez la paresseuse. Allez, hop, au lit. Eh, franchement, je trouve ça génial. Hop, elle danse. Là, c'est quoi ? Il faut que tout ça cesse. I love beer. J'aime mon nounours. Voilà, j'ai trouvé ça très, très bien. Ça m'a plu. Ben, 2 euros, franchement. C'était la surprise. Hein. Je ne savais pas comment il était. Mais déjà, rien que la boîte, elle est trop bien. Et surtout, le petit livre... truc et astuce. Ah oui, c'est vrai que je l'avais déjà... Vous voyez, il était emballé. Regardez, c'est moi qui l'ai déballé. Et ben là, vérifiez votre degré de compatibilité. Ah, oh, j'arrivais pas à le dire. Aplatissez son ventre. C'est des petits trucs marrants. Hein. Vérifiez votre quotient forme. Soignez votre apparence. Voilà. Et ben, je me suis dit, tiens, je vais le bouquiner. C'est rigolo. 2 euros, ça mange. Regardez. Hop. Voilà, vous avez ceci, comme ceci, avec le petit filet là, comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, je vous montre, il est impeccable. Il est impeccable. Et le clou, j'adore. Mais vraiment, je vous assure, j'adore. Hein. Il est tout bien à l'intérieur, il est impeccable. Et j'ai mis toutes mes courses dedans. Pas de pain, et voilà. Et en fait, et même si c'est neuf, hein, parce que c'est vraiment neuf, hein, je désinfecte tout, moi je suis complètement à l'ouest. Voilà. Et je vais aller laver la petite... Et puis je ne vous ai pas montré le panier à l'intérieur, parce qu'il faut que je vous le montre. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment sublime. Regardez. Regardez. Alors ensuite... J'ai été à Auchan, j'ai pris des petites brosses à dents. 1,75€ les 4. Sincèrement, quand il y a du monde, c'est très très bien. Un beurre, je ne sais absolument pas le prix du beurre. Je voulais du Charente-Poitou, je ne sais pas le prix. 1,45€ les feuilletés chocolat, j'adore. Franchement, honnêtement, ça, il n'y a rien à dire. En ce moment, moi, je vais manger beaucoup de tomates. Donc, comme je vais manger beaucoup, beaucoup de tomates, je ne sais pas si ça va tomber. Ouais, ça va tomber, j'en ai pas sûr. Voilà, je vais manger beaucoup de tomates. Et du coup, ben, j'aime bien la mozzarella. 89 centimes la mozzarella. 140 ans. 140 ans de Dolce Vita. Waouh. Comment ça, 140 ans? Galbani, ça fait déjà 140 ans. Voilà, alors du coup, ben, j'ai pris ça. Parce que je vais manger ça avec des tomates. J'ai pris du coton 1,40€, 3, il n'était pas très cher du tout. En plus, il est sensitive à l'aloe vera. Voilà, bah écoutez, hein, franchement. J'ai pris ça parce que plus que jamais, on en a besoin, 1,75€. Avant, je prenais l'Evian et puis je me suis dit, franchement, je ne la bois pas. Hein, donc, autant prendre la Cosma, j'en avais déjà pris 1,75€. Voilà. Des cotons-tiges bio. Bâtonnet en coton et le bâtonnet en coton et la tige en papier. Voilà. Ça, je suis sûre que c'est une valeur sûre, 1,32€. Après, je vous montre un Emmaüs, hein, ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté grand-chose, en fait. Là, ici, c'est 1,10€. Ça coûtait 79 centimes. C'est passé à 1,15€. Ils se foutent de la gueule du monde, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Sheba, pour dire je t'aime. Bon, bah, voilà. Ivy, je t'aime.
Et je lui ai repris ces petites comme ceci. Que j'espère que je n'ai pas cassé. Il y a un truc qui cache. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Tout simplement, 1,75€. Voilà. Ainsi que... Voilà, c'est ça. J'espère que je n'ai pas cassé. Non. 2,50€. Alors ça fait longtemps que j'en cherche. J'en ai marre. À chaque fois, je mets sur mon tableau de travail, mon plan de travail. Ça m'énerve. Et du coup, là, eh ben, 2,50€. Moi, j'ai une manie, c'est de laisser les étiquettes. Alors, je vais l'enlever. Voilà, on dirait un peu de l'arc opale. Voilà, c'est du verre, en fait. C'est même pas de l'arc opale. Enfin, je sais pas sans quoi. Voilà, c'est marqué cuisine, 2,40€. Très bien pour mettre ma petite cuillère. Franchement, impeccable. Il y avait une promo sur le shampoing, la douche que j'adore, de chez Garnier. Ça fait un moment que j'en trouve plus. À la rose d'Alep, à l'huile de rose, 2,50€. Franchement, le grand format, hein, c'est pas un petit format. Je me suis dit, tiens, allez, vas-y, prends-le. Et j'ai pris des religieuses au chocolat. Je vais en manger une, là. 3,05€. Elles étaient à 2,99€. Elles sont passées à 3,05€. Bientôt, elles vont être à 3,15€. Mais je les adore. Même si elles sont un peu industrielles, elles sont pas mauvaises. J'aime bien le chocolat qui est à l'intérieur. Et j'ai pris des tomates. Combien ? 1€. 2€. Alors moi, voilà, j'aime bien, je suis toute seule, mais j'aime bien me faire des fantaisies. Regardez, celle-là, elle a une petite queue. Donc, j'ai pris des tomates, elles étaient en promo à 2,79€, elles sont très bonnes, les jaunes sont très bonnes. J'ai pris des rouges, comme ceci, et j'ai pris une noire, voilà. Voilà ce que je vais me manger pendant 2 jours, des tomates et de la mozza. Après, j'ai racheté... Et donc, du coup, j'ai eu un courrier parce que pour mes détracteurs, ceux qui n'aiment pas, j'ai eu un courrier. Vous vous rappelez, je vous avais dit que Charal, je l'aurais écrit parce que j'étais déçue de quelque chose, mais je n'ai rien. Attendez. J'ai pas touché. Là, il y a le courrier. J'avais pas le sac. Vous allez voir que j'ai perdu les bons d'achat. Mais c'est pas possible, j'ai pas touché. J'ai pas du tout touché mon sac. Ah, voilà. Charal. Voilà. Et je vais vous montrer ce qu'ils me disent. Alors, j'ai combien ? J'ai 3 bons de 4€. 3 bons de 4€ de chez Charal. Quand je vous dis, il ne faut pas vous laisser faire. 2 bons de 4€. Mais c'est exactement la somme de mes trucs. Hein, et 2€. 10€. Ouais, j'en avais pour ce prix-là. Les deux entrecôtes, 10€. Et ils m'ont mis. J'ai bien été informée de votre appel téléphonique et mail de ce 9 mai. Nous interpellons quant au manque de tendreté de deux filets. Tout d'abord, je suis désolée qu'un produit de notre marque ait pu de nouveau vous décevoir, parce qu'une fois, il y a eu en 2015, il y a eu ce problème. Et vous remercie également de nous avoir prévenus. En effet, nous attachons une très grande importance à la qualité. Les opérations de sélection des animaux, soucieux de réagir. Enfin, malgré cette nouvelle déception, je souhaite que vous puissiez refaire un essai avec nos produits pour vous y encourager. J'ai le plaisir de vous remettre cordialement, joint à ce courrier, des bons de réduction Charal. Voilà, et c'est la directrice, qualité Charal. Voilà, et j'ai des bons d'achat. Date valable à partir du 11 mai. Pendant combien de temps? Ça doit être un an. Hein. Offre valable, 1 an à partir du 11 mai, vous voyez. Voilà. Voilà les bons. Alors, souvent je les donne à mon fils. Souvent je les donne à mon fils, je les garde pas. Voilà, écoutez, hein, sur ce, je vais me détacher les cheveux parce que j'en ai marre. Sur ce, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai acheté. Voilà. J'ai mis une petite combi que j'aime bien. Et en fait, pour cacher, j'avais un gilet ajouré qui allait très très bien. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vais ranger et honnêtement ce que j'ai acheté, les trois, j'en ai eu pour 7,50€ le tout.
Le sac, il coûtait 5 euros, mais sincèrement, il était en hauteur, il était bien caché, et sincèrement, il les vaut bien, honnêtement. Et j'ai mis tout là-dedans, quoi. Il est tout neuf. Et Angleterre. Alors, la personne se reconnaîtra. Je te fais plein de bisous. Ah, tu te reconnaîtras. Voilà, je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, mais voilà. Voilà, voilà. Et ben, je l'ai acheté. En fait, je l'ai acheté un peu pour ça aussi, pour lui faire plaisir. Voilà. Même si c'est moi qui l'ai, hein, pour lui faire plaisir. Une petite pensée. Bon, bah écoutez, sur ce, cette fois-ci, je vais manger ma religieuse au chocolat. Et puis, je suis contente que vous avez pu voir un peu Emmaüs. J'essaierai d'aller dans d'autres Emmaüs. Je vais faire ça. Il va y avoir des vide-greniers, donc je vais vous filmer plein de vide-greniers. Demain, il y a un vide-grenier, donc il faut que je me renseigne. Il y en a partout. Mais je vais voir un qui est proche de chez moi et je vous emmènerai. Et ça, mais alors, mais j'ai craqué. 50 centimes, vous vous rendez compte? Il est trop beau, quoi. Coffee Bear. Je sais pas ce que c'est. Coffee Bear. Ours Coffee. Ça doit être une collection, mais trop beau. Vous trouvez pas? Il est trop mignon. Toutes ces petites couleurs, là, et tout, là, je vais le mettre dans la chambre. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous ai tout montré. Et mettez des petits pouces, je vais peut-être vous montrer juste comment je suis habillée. Voilà. Voilà comment je suis habillée. Et mes petites boucles d'oreilles que je vais vous montrer. Aïe. Love. Voilà, la Sybille avant le confinement revient. La même Sybille que vous avez connue avant le confinement revient. Ça ne veut pas dire que je fais des achats compulsifs, loin de là. Mais voilà, je reviens. I will back. Je reviendrai. I'm back. Je reviens, je crois. Je sais pas. Bon, allez. Ciao, bye bye. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et mettez des petits pouces.